J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour un haul Action. Oui, je viens de craquer chez Action pour ma classe et du coup j'ai quand même trouvé des trucs pour moi. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Je me suis dit que c'était pas mal de faire un petit haul Action parce qu'il y a des petites choses qui peuvent peut-être vous intéresser, vous plaire. Désolée pour cette luminosité qui change, le soleil va et vient mais on va pas se plaindre hein. Du soleil, ça fait toujours plaisir. Let's go pour le petit haul. Déjà, niveau très encombrant, j'ai pris pour ma fille, et d'ailleurs j'ai dû les salir sur mon passage, des petites boîtes comme ça en bois rose pâle avec des petits cœurs dessus. Il y avait que en rose, en gris, enfin, en rose, en gris, je crois qu'il y a peut-être en vert mint. Des grosses boîtes comme ça, vous voyez, c'est pour mettre ses livres dans sa chambre parce que j'ai des espèces de paniers qui sont pas terribles terribles. Du coup je me suis dit que celle-ci ça allait être plutôt pas mal. J'en ai pris deux, j'essaierai de vous remettre les prix au niveau de la vidéo parce que ce sera plus simple. Mais c'était 4,50€, un truc comme ça. Donc j'en ai pris deux pour ma fille et j'en ai pris deux pour mon fils. Une grande comme ça, une grise avec des petites croix dessus blanches, et une grise avec écrit Happy qui est un tout petit peu plus petite. Vous pouvez les imbriquer. Il y avait soi-disant des lots de 3 à 10€, mais bah écoutez, j'ai pas trouvé le troisième, en tout cas pas en gris, donc j'ai pas pris, j'en ai pris que deux. Et voilà, pour ranger leurs jouets ou leurs livres dans leur chambre, ça va être très sympa. Je pense que ça va être beaucoup plus organisé. Je vous montrerai ça sûrement sur Instagram. Si vous voulez m'y rejoindre, n'hésitez pas, je vous montre un petit peu mes trouvailles, ma petite vie, etc. Pour mes élèves, vu que je vais faire un escape game, vous aurez sûrement eu la vidéo de cette escape game juste avant. Si c'est le cas, je vous la remettrai dans le petit i. Donc j'ai préparé un petit escape game spécial Harry Potter, et dans la boîte finale qu'ils auront ouverte grâce, enfin le petit trésor final, je leur ai mis, je vais leur mettre plutôt des bonbons comme ça, Maoam, qui sont quand même assez mythiques et assez bons. Je leur ai repris des petits chocolats comme ça que j'avais acheté à Noël, qu'ils avaient plutôt bien aimé, donc j'en ai repris pour en avoir un petit peu pour tout le monde. Et vu que c'est bientôt Pâques, chez Action on trouve déjà les petites choses de Pâques, donc je leur ai pris des petits chocolats comme ça, histoire voilà qu'ils aient une petite gourmandise à manger tous ensemble et après avoir réussi leur petit escape game. Justement, tous ces chocolats, eh ben, on va les mettre dans la petite boîte à ouvrir. Ils auront des petites énigmes et il faudra qu'ils ouvrent la clé. Le truc, c'est que je voulais une clé avec un code, vous savez, enfin un cadenas avec un code, mais j'ai pas trouvé chez Action. Je sais qu'il y en a à Decathlon, mais là, il s'avère que j'ai trouvé que ce genre de boîte pour ranger le trésor. Et c'était qu'à clé, on peut pas mettre vraiment de cadenas. Donc je savais pas trop comment faire. On verra si d'ici vendredi, j'ai réussi à réfléchir. En tout cas, là, au niveau de la clé, ça a l'air un peu burk, hein. J'aurais peut-être dû en prendre un autre, j'espère que ça va quand même fonctionner. Et à l'intérieur il y a deux clés du coup pour l'ouvrir. Donc on va voir comment j'organise ça, mais j'espère pouvoir utiliser voilà, ce genre de boîte un peu au trésor. Toujours pour ma classe, j'ai repris des petites feuilles plastifiées, ça sert toujours et j'en ai toujours besoin. Et de la pâte, comment on appelle ça un peu, de la pâte à modeler durcissante pour réaliser nos grenouilles de choco-grenouilles. J'en ai pris 3, je sais que j'en ai un autre dans ma classe, j'espère que ça suffira. Parce que pour 28 élèves ça va vite, donc j'espère que j'en aurai assez. On verra bien, mais je vais essayer de faire ça cette semaine, pour cette dernière semaine d'école. Vous aurez cette vidéo après, mais du coup pour notre dernière semaine d'école, j'aimerais bien finir mes cartes de choco-grenouille et mes boîtes de choco-grenouille et les grenouilles qui vont avec. Toujours pour ma classe, oui, je vous fais tout d'un coup, j'avais tout rangé à peu près au même endroit. J'ai pris des vases assez simples à 1,79€, je me souviens très bien du prix parce que j'ai pas mal comparé, ça fait plusieurs fois que j'y vais pour en trouver. Des vases, un vase par maison Harry Potter, donc un vase Poufsouffle, un vase Gryffondor, un vase Serdaigle et un vase Serpentard. Je mettrai ici le logo de la maison qui correspond, et j'aimerais trouver du coup des petites perles ou des petites boules. Faut que je trouve ça sur internet parce que j'ai pas du tout vu à Action, il faut que je cherche et je fouine un petit peu. Des petites boules aux couleurs des maisons, par exemple des boules rouges pour Gryffondor, des boules jaunes pour Poufsouffle, etc. Vertes et bleues. Et n'hésitez pas à me dire si vous savez où je peux trouver des petites boules ou des petites perles de couleur comme ça. J'aimerais remplir les vases pour l'année, pour la fin de l'année, à chaque fois qu'il y aura des bonnes choses de faites. Et à la fin, voilà, la maison qui gagnera, comme la coupe des maisons en fait, un peu comme dans Harry Potter, pour celles qui connaissent. Du coup voilà, c'est pour ma déco de classe, il faut que j'agrémente tout ça, donc j'ai quelques petites choses à acheter encore. On revient à la déco pour mes enfants, donc j'ai pris deux petites choses comme ça, deux petits porte-manteaux étagères en même temps, j'ai trouvé ça très sympa. Je les trouve plutôt pas mal. Donc il y a quatre petites poignées pour porter les manteaux. C'est surtout nous dans la chambre, c'est pas vraiment pour les manteaux, mais c'est plus pour les petites vestes qu'on met de temps en temps mais qu'on met pas tous les jours, pour mettre aussi la robe de chambre, le peignoir, les choses comme ça dans leur chambre, pour éviter que ça traîne un peu partout. Du coup le fait que ce soit un peu étagère, ça peut être très sympa pour mettre les chaussons par exemple, au lieu que ça traîne. Donc on va essayer d'installer ça très prochainement dans la chambre de mes enfants. J'en ai pris un pour chaque chambre.
pour toujours organiser mon make-up. La dernière fois, j'ai réussi à mettre dans mes tiroirs de commode Ikea ces petits trucs-là. Et j'ai hésité en fait à en reprendre d'autres parce que je n'ai pas forcément besoin. Il y en a que j'ai mis en fait des boîtes de box, etc. dedans pour répartir, pour bien ranger. Mais je les trouvais quand même plutôt sympa, ces petits rangements à make-up. Déjà, ils sont pas très chers, à 2,99€. Mais vous avez des petits bacs en fait qui sont plus petits pour mettre les petits rouges à lèvres, les choses comme ça, pour trier un peu plus. Par exemple, pour tout ce qui est pour les yeux, parfois j'ai du mal à trier, ou pour mettre mes blushs, etc. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc j'en ai repris deux et puis j'organiserai ça pendant mes vacances. Pour ma cuisine, j'ai pris des petits torchons comme ça, très sympa, un peu à tout faire, quoi, pour nettoyer la bouche des enfants, etc. Et des éponges parce que j'en ai pas et je crois que je suis un petit peu en rade. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe un peu des éponges un peu plus écolo ou plus recyclable, je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez à ce niveau là, j'avoue que je ne sais pas du tout si ça existe. Vous me connaissez au niveau gourmandise, il fallait que je prenne quelques petites choses, même si je suis en mode rééquilibrage alimentaire, de temps en temps on se fait plaisir. J'ai pris pour mes enfants ces petits toursons là, vous les connaissez un peu tous, c'est pas la marque officielle mais ceux-là font l'affaire, nous sommes en galère, hein. J'avoue qu'ils les mangent assez vite, donc j'en ai racheté deux paquets. Ça j'adore, je trouve ça trop trop bon, c'est les chocos Crocise, c'est une sorte de fleur de sable à 1,99€ et d'ailleurs si je vous le montrais à l'endroit ce serait bien quand même, et du coup c'est vraiment très très bon, ça je mangerai que de temps en temps, je vais essayer de me restreindre, c'est très très bon en tout cas, je vous les conseille si vous n'avez pas testé. J'ai repris ça, je les ai enfin retrouvés, je les aime beaucoup, les Golden Rose Crispy au chocolat. J'aime pas trop ceux au caramel, mais ceux au chocolat sont très bons, mais j'ai eu du mal à les retrouver, ils sont cachés au fond là. Je suis contente d'en avoir trouvé, pareil pour de temps en temps, une fois dans la semaine ça peut être très sympa. Et ça c'était pour tester, je me dis que ça pourra peut-être plaire à mon mari aussi, les Waffle Moments, des sortes de petites gaufres enrobées de chocolat avec de la noix de coco. Pourquoi pas, ça a l'air pas mal, c'est la première fois que je les vois chez Action. Pour ma nouvelle salle à manger, d'ailleurs je voulais vous faire un vlog salle à manger, redécoration et tout, mais j'ai vraiment pas pu, j'ai pas eu le temps, etc. Mais je vous ferai peut-être un tour de ma salle à manger en vous montrant un petit peu mes astuces ou ma déco, n'hésitez pas à me dire ça si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire le vlog rangement, mise en place, etc. J'ai pris quand même pour ma salle à manger deux sets de table comme ça, qui sont ronds. C'est plus pour décorer, poser quelque chose au milieu, pour éviter d'abîmer le meuble. Et ils sont très beaux comme ça, gris, avec des petits fils là. Ils sont très jolis à 99 centimes pièce, donc ça valait le coup, je trouve que c'était vraiment vraiment pas cher. Et au niveau scrap, j'avoue j'aurais pas dû prendre, mais j'ai craqué pour des petits tampons comme ça, parce que j'ai envie vraiment de reprendre des petites choses au scrap, et du coup ces petits tampons là me faisaient envie, ils sont très beaux. Et 4 lots de stickers un peu épais, c'est ce que j'aime moins on va dire, parce qu'ils sont épais, ils auraient pas été épais, ils auraient été parfaits. Mais voilà, c'est des jolis stickers encore une fois, pas très cher, je pense que c'est des 99 centimes. Et voilà, il y avait différents thèmes un petit peu, hein. J'ai pris ceux qui me paraissaient un peu plus girly, un peu sympa, que je savais que j'allais pouvoir utiliser dans mon memory planner ou dans mes créations à venir, en espérant que j'arrive à prendre le temps. Celui-ci un petit peu plus plume, ethnique on va dire. Donc voilà pour les nouveautés au niveau du scrap, je les avais jamais vus donc c'est la première fois. Et voilà pour mon haul action rapidos, hein, je suis désolée, j'ai essayé de faire vite parce que j'ai plus de batterie et puis j'avais pas mal de choses à faire. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a vraiment, si vous avez beaucoup aimé. Si vous êtes contente de voir de temps en temps les nouveautés de chez Action, n'hésitez pas à me dire vous les petites nouveautés que vous avez trouvées chez Action, vos petits craquages. Est-ce que vous êtes comme moi, vous y allez pour 2-3 trucs et vous ressortez avec 50 trucs? Je pense qu'on est toutes pareilles, hein. Mais n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. Et on se retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut !